Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui on fait un arrêt sur le cas de Dirt Rally qui vient d'accueillir la version 0.8 de son développement. Et ça nous amène deux nouvelles voitures et le superbe site du rallye de Finlande, connu également sous le nom du rallye des 1000 lacs. Alors ça nous propose un nouvel environnement plutôt sympa, assez atypique parce que ça va très vite. Et pour avoir testé les deux voitures et les spéciales depuis quelques jours, on peut dire que ça fait vraiment du bien et ça ramène de la fraîcheur à Dirt Rally qui, jusque-là, nous proposait des spéciales très techniques mais très lentes. Il n'y avait pas vraiment de section rapide malgré la présence du rallye d'Allemagne avec quelques accélérations importantes. Ici, vous allez être condamné à piloter à fond et à vous accrocher, vous cramponner à votre volant parce que vous allez être délesté, jeté, être poussé vers la gauche, vers la droite. Vous allez avoir vraiment des sensations nouvelles dans cette nouvelle version de Dirt Rally. Et les délestages, quand vous arrivez en haut d'une butte, vous ne savez pas où vous allez atterrir, si vous devez passer pied à fond ou si vous devez lâcher l'affaire. Et ce sera votre copilote qui vous donnera ces informations, copilote qui a été un petit peu amélioré. D'autres modifications viennent s'ajouter à cette version 0.8. Et enfin, le support de la souris dans les menus. On va enfin pouvoir balader un peu plus librement que ça. Par contre, il y a toujours cette restriction que si vous validez votre commande au volant, vous ne pouvez pas, par exemple, faire échappe au clavier, etc. Donc c'est ou volant, ou clavier, ou manette. Donc ça, c'est toujours à l'état de développement. Mais la souris dans les menus, ça soulage, ça fait du bien. D'autres améliorations, la refonte totale du gameplay de certaines catégories, on citera rapidement les années 70, 80 et 90. Deux nouvelles voitures donc avec la Subaru qui vient de faire un magnifique jump à l'instant, la Subaru Impreza qui est celle de 2001 et elle est, c'est pas ma préférée, je vous avoue, c'est pas ma préférée des Impreza, mais elle envoie du lourd, elle est très bien réalisée comme d'habitude hein, dans du Codemaster, c'est du Dirt Rally, c'est toujours une bonne modélisation des voitures qui nous est présentée. Et ensuite viendra la Ford Focus que vous verrez un petit peu plus tard, celle de 2001, également une voiture de Colin McRae, hein, on s'en rappelle. Et franchement, c'est vraiment deux voitures qui représentent bien cette époque-là. Il manque peut-être la Peugeot 206. J'aurais bien aimé la Peugeot 206, mais peut-être d'ici quelques mois. En tout cas, je vais vous laisser profiter des quelques minutes qui restent de cette vidéo qui n'est pas très longue, mais ça ne sert à rien de s'étaler, autant faire bref et concis pour vous informer au mieux. Donc vous allez avoir la fin de cette spéciale avec la Subaru, ensuite une spéciale sous la pluie avec la Ford Focus et un petit bonus qui vous a été concocté par moi-même pour tous les fans de rallye. Allez, profitez-en les amis et on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Salut. Gauche 3 s'ouvre sur crête 80. Gauche sur passe. Continue sur 100 sur 100. Crête 60. Droite 3 roues sur base.
250 lignes droites en descente. 3 400 sur 430. Sur deux petites crêtes. 80 en crête. 3 semi-longs. Attention milieu sur grand saut. Droite 6 sur crête. 40 gauche 4 semi-longs. Sur crête sans couper 80. Droite 5 sur crête possible saut. Sans couper 60. Thank you.